Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne Planète Xbox. Je suis Max et aujourd'hui on va parler de Far Cry 5. Comme à notre habitude, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir combien le jeu pèse sur Xbox Series X, parce qu'on le teste aujourd'hui sur Xbox Series X. Le jeu pèse 50,4 Go au niveau de son tarif. Et vous allez voir, ça c'est quelque chose d'assez assez intéressant. Le jeu pèse coûte 69,99 €. Il y a plusieurs éditions, dont une édition où il y a Far Cry 3, 4, 5, 6 qui est au tarif de 44,99 €, donc tarif plus intéressant. Et vous avez aussi la Gold Edition à 89,99 €, mais vous avez aussi le pack complet Far Cry, excusez-moi, New Dawn, plus Far Cry 5 à 14,99 €. Donc ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment jouer à ce jeu, c'est de prendre ce pack là tout simplement. Moi je l'ai payé bien moins cher, je l'ai acheté sur internet et voilà. Allez, on se retrouve en jeu directement. Et Far Cry 5, c'est quoi en fait? En fait, vous jouez le rôle d'un policier qui doit chasser une sorte de secte de Hop Country, donc c'est une réplique grosso modo du Montana. Le jeu se déroule grosso modo sur trois grandes zones, donc la première, la seconde et la troisième. Vous pouvez faire les zones dans l'ordre que vous voulez, peu importe ce qu'il va falloir en fait pour arriver au final, donc c'est-à-dire à Joseph, donc le chef de la secte. Donc Joseph a deux fils, John, Jacob, et une fille adoptive qu'on appelle Faith, et chacun sont reliés à une zone. Il faut finir ces zones avant de pouvoir affronter Joseph. Donc là pour l'instant, moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette zone parce que comme vous pouvez voir, j'ai quasiment ma jauge de points de résistance qui est à fond, et quand on a fini une jauge de points de résistance, on affronte le boss. Et je ne veux pas vous spoiler et je ne veux pas me spoiler non plus et faire cette mission là avec vous, donc je le ferai plus tard. On va plutôt se rendre dans la région de Face là. Donc voilà grosso modo comment s'articule le jeu, et dans ces zones en fait vous allez avoir à faire des missions annexes, des missions principales, des avant-postes à libérer, etc., des secrets à aller chercher. Tout est faisable comme vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les missions, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les principales, toutes les annexes, etc. C'est vraiment comme vous le souhaitez, et vous allez devoir monter cette jauge de points de résistance, et une fois qu'elle est à son maximum, vous affrontez le boss de la zone, etc. pour les deux autres. Et une fois ceci fait, vous affrontez, à mon avis, le boss final, qui est Joseph. Alors, le jeu, ce qu'on va prendre, on va prendre la tyrolienne, on va partir par là. Donc, le jeu, comme vous pouvez voir, moi, ce qui m'a frappé déjà sur Xbox Series X, il tourne à 60 images par seconde, 4K, et le jeu est juste magnifique. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle zone je m'aventure, ni ce qu'on va pouvoir voir ensemble. Ça va être la grande surprise. Mais bon, voilà, donc déjà, premier, très 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 très, mais alors vraiment très très bon point. Oula, on va se mettre sous l'eau parce que là, il y a des ennemis qui arrivent. Donc il va falloir chasser cette secte. Premier très bon point, c'est tout simplement les graphismes du jeu. Second, très très bon point, mais alors encore mieux. Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Oui, d'ici, oui, je pense. Là, on l'a eu avec le sniper. Second méga bon point du jeu, c'est vraiment son gameplay. Il a un gameplay vraiment hyper jouissif. C'est de la baston, voilà. On les a fait aller dans l'eau. Est-ce qu'on va pouvoir libérer nos collègues? Oui. Allez, sortez de là, on vous libère. Donc il va falloir libérer un peu tous ces otages et prendre les avant-postes, faire les quêtes annexes et les missions principales pour faire avancer les régions. Donc le gameplay du jeu est vraiment, vraiment excellent. Vous pourrez courir, marcher, nager, vous pouvez conduire des véhicules, que ce soit du quad, de la voiture, des avions, tout ce que vous souhaitez, des hélicoptères. Tout est faisable et ça c'est franchement excellent. Donc voilà, dès que vous faites des bonnes actions, vous pouvez gagner des points de... des points de résistance. Donc voilà, au niveau du gameplay c'est pareil, franchement c'est bien huilé, c'est très fluide, on peut faire ce qu'on veut, c'est excellent. Oula, qu'est-ce, on se fait attaquer par une mouflette, d'accord, on va la laisser partir. Elle nous a un peu empoisonné quand même, hein. Donc voilà, le gameplay c'est aussi un très très bon point. Ah bah il s'est fait rouler dessus et il a écrasé. Non, lui était déjà écrasé.
La mouflette s'est fait rouler dessus. Est-ce qu'on va pouvoir aller looter sa peau? Oui, on va pouvoir aller looter sa peau. Ça, c'est impeccable. Donc, le gameplay est très très bon. Il s'articule en plusieurs points, en fait, tout simplement. Donc, la carte, vous l'avez vu. Le journal, ben, c'est mission principale et les quêtes annexes, en fait. Voilà. Donc, à noter que la mission principale est quand même beaucoup mieux écrite, selon moi, et beaucoup plus plaisante à suivre que les quêtes annexes. Les quêtes annexes, c'est un peu des quêtes FedEx. Mais bon, on s'y fait, sincèrement. C'est pas non plus la torture pour arriver à les faire. C'est assez diversifié, mais c'est pas non plus du grand art d'écriture ou des choses comme ça. Mais bon, voilà, il y en a quand même pas mal. On est quand même sur un jeu Ubisoft, hein, ça va. Bah, moi, c'est le premier réellement. Bah, tiens, lui, on va le faire péter. On va lui lancer une grenade. Allez. Ah, elle a pété un peu trop tard. Dommage, est-ce qu'on peut lui tirer dans les pneus? Je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air de vouloir l'arrêter. Donc, c'est le premier Far Cry que je fais avec autant de pertinence, j'ai envie de dire. Et sincèrement, ben je suis agréablement surpris. Alors, à voir sur la longueur du jeu pour l'instant, pour faire la première zone de fond en comble, j'en suis à peu près à 15 heures. Donc, j'imagine qu'il faut une quarantaine d'heures pour finir le jeu d'une manière relativement tranquille. Vous connaissez ma manière de jouer. J'aime jouer comme ça, j'aime explorer, j'aime comprendre un peu le lore, j'aime essayer pas mal de choses, donc je prends mon temps. Donc, comme je vous avais dit, on va reprendre le menu. Donc, dans le menu, vous avez les missions principales, annexes, etc. Vous avez aussi les groupes. Alors, le groupe, vous avez pu voir que j'ai un chien, donc c'est un peu des coéquipiers que vous pouvez prendre avec vous. Et affecté à votre groupe, on peut en prendre jusqu'à 3. Moi, je prends le chien parce qu'il permet de repérer tous les ennemis, donc de les marquer. Et en plus, il va les tuer à votre place. Si vous lui donnez l'ordre, vous pouvez donner ce que vous voulez comme ordre à vos coéquipiers. Rester ici, attaquer, se positionner ici, etc., etc. Les équipiers ont des compétences bien spécifiques. Donc lui, il attaque avec un avion. Elle attaque plutôt au sniper, mais il y a des bourrins, il y a tout ce qu'il faut pour agrémenter son gameplay et vous aider dans vos missions. Allez, on va aller juste ici, voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'aspect graphique et le gameplay, c'est franchement quelque chose qui me plaise pour l'instant dans ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Je m'attendais pas à quelque chose aussi propre, j'ai envie de dire, et je suis relativement surpris. Qu'est-ce qu'on a là? Donc des notes. Entendez la parole. Seuls ceux qui ont la foi verront la foi qui mène à l'Éden. Rejoignez sa prêtresse à cet hôtel pour entendre la parole de Joseph. Ensemble, nous retournerons au jardin. Ok. Donc ils sont complètement pétés. De toute façon, à cette secte, il faut les arrêter assez vite. Donc ça, c'est les deux gros points forts du jeu, sincèrement, et c'est juste magnifique. Ce Montana est représenté d'une manière qui est vraiment magnifique. Le monde est organique, c'est-à-dire qu'il réagit sans vous, des ennemis peuvent s'attaquer sans vous, vous pouvez attaquer par des bêtes sauvages, etc., etc. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez prendre des véhicules, comme je vous ai dit, donc des quads, des motos, des voitures, des avions. On va éteindre la radio, on sera plus tranquille. Et tout se pilote relativement bien. On va essayer de se mettre droit et on va essayer d'avancer pour voir ce qui nous attend sur la route. Donc ça, franchement, hop, non, lui on va pas aller le chercher. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le jeu aussi vous propose un système de compétences. À chaque fois que vous allez réaliser une mission, soit annexe, soit principale, vous allez gagner. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? On va s'arrêter à grand coup de frein à main. Je vais descendre de la voiture, je vais vous montrer. Vous pouvez avoir, je me trompe de menu, vous pouvez avoir des compétences, ce qu'ils appellent des talents, et vous allez pouvoir augmenter soit votre vie, soit votre manière de pas de pirater, mais d'ouvrir les coffres, les portes, les coffres forts, etc. De vous spécialiser dans le port de plusieurs armes, chose que j'ai fait, j'ai débloqué un emplacement d'armes en plus. D'avoir un carquois pour vos flèches plus importants, etc., etc. Et vous pouvez personnaliser, en fait, tout simplement, votre héros que vous allez pouvoir choisir au début du jeu, femme ou homme, et le personnaliser un peu, pas des masses mais un peu, et avec ses compétences vous allez pouvoir en fait tout personnaliser. Allez, on va aller voir. Ok, on va se mettre en snipe. Ils sont en train de brûler tout seuls. Donc là, il y a un espèce de gars un peu plus énervé. Voilà, grosso modo, eux, c'est les
c'est les gros vilains. Ils sont plus résistants parce qu'ils sont complètement drogués. Oh là, on va faire attention, on va se soigner. On va se baisser un peu. Donc mon chien, il va commencer à attaquer. On va aller l'aider un peu. Hein. Alors on peut attaquer au corps à corps, bien sûr. Hein. Voilà, et la finir comme ça. Ça permet aussi d'avoir un système d'infiltration qui est plutôt pas mal pensé. Moi, j'ai plutôt pas mal joué en infiltration. On va soigner notre pauvre chien avant qu'il meure complètement. J'ai pas mal joué en infiltration et c'est plutôt plaisant à jouer au niveau de l'infiltration. J'ai été assez surpris de ça aussi. C'était plutôt pas mal. Le mode bourrin est quand même beaucoup plus jouissif, je vous avouerai. Et à chaque fois, voilà, vous libérez un otage, eh bien, ça vous fait monter la jauge. Voilà. Il va me proposer une quête annexe, sûrement. Je m'appelle Xander Flynn et avec mon Adélaïde, on s'est fait attaquer à la marina par les pseudo-hipsters de la secte. J'ai tournoyé pendant l'attaque, tu vois, je suis paumé, je sais même pas comment je suis arrivé là. Il est complètement défoncé. Ok. Donc voilà, et ça va vous permettre de progresser, de faire gonfler votre jauge de résistance et d'affronter le boss. Ce qui est plutôt sympa, je trouve, c'est de faire vraiment les quêtes dans l'ordre que vous voulez. Voilà, alors, on va sélectionner. Ici, vous pouvez acheter des quads, c'est à 1461 mètres. On va aller la faire pour le plaisir. Donc voilà, c'est vraiment à votre envie. Le monde est complètement organique, comme je vous ai dit. Vous pouvez aussi chasser dans le jeu, vous pouvez aussi pêcher. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça rend l'expérience un peu plus sympa. Après, ça... Ah, on peut sauter de la voiture comme ça. Bah, ça, je savais pas. Ok. Et là, il y a un ours qui est en train de... Il y a des ours qui sont en train de buter... Et moi, je me fais canarder. Voilà. Il a tué mon chien. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, par contre, le gameplay, il est juste jouissif. C'est juste extraordinaire. On va soigner notre chien. Non, c'est bon. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir par là-bas. On va essayer de la secourir avant qu'elle meure. Et c'est trop tard. Elle est morte. Et une fois qu'ils sont morts, par contre, les PNJ, ils sont morts. Sauf les PNJ principaux qui peuvent vous donner des quêtes. C'est dommage, on n'a pas eu le temps de la sauver. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc comme je vous ai dit, ça franchement, plutôt agréablement surpris de toutes ces parties que je vous ai citées. Maintenant, le jeu n'est pas parfait. Il a quelques défauts. Alors déjà, l'intelligence artificielle des ennemis, je la trouve complètement aux fraises. C'est loin d'être difficile. Il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres. Mais grosso modo, voilà. Là, il y a des ennemis un peu partout. C'est loin d'être difficile. Voilà, voilà l'intelligence. Il m'a vu passer en voiture. Voilà, donc lui, il va me donner encore une autre quête. On va pas forcément la faire. Voilà. Il paraît qu'il y a un cougar qui rôde dans la forêt près Donc l'intelligence artificielle des ennemis est franchement pas terrible. Sincèrement, c'est pas terrible du tout. Et aussi, moi le défaut qui me... Alors c'est où exactement? Sur la carte. Moi le défaut qui me déplaît le plus, c'est le fait que vous allez voir, on va prendre la voiture et vous allez le constater. Il y a des ennemis sur les routes principales, mais partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout et tout le temps. C'est comme si la secte qui avait envahi cette région du Montana, eh ben en fait, c'était l'équivalent d'une ville entière, tellement il y a de monde. Et bien sûr, je vous dis ça, il n'y a personne qui passe en voiture. Si là, vous en avez d'autres. Si vous voulez tout affronter, c'est constant en fait. C'est constant, constant, constant. Et vous n'avez pas le temps de profiter vraiment de la beauté du paysage et de l'exploration, et ça c'est vraiment dommage je trouve. J'aurais aimé être un peu plus libre et avoir moins d'ennemis. Alors au final, à la fin, on fait ça quoi, on trace quand il y a des ennemis, mais j'aurais aimé qu'il y ait moins d'ennemis sur les axes principaux des routes,
Parce que ça en devient dérangeant à la fin de faire toujours les mêmes, oulala, toujours les mêmes choses. Ça aurait été... Qu'est-ce qu'il veut lui? On va sortir du véhicule et je vais m'occuper de lui. Hop, on va se soigner, vite, vite, vite. Mais on m'attaque de l'autre côté aussi. Par contre, pur plaisir pour les gunfights, ça c'est sûr et certain. Bon, on va te sniper. Ah ouais, non, lui il va falloir le prendre par derrière. Hop, on éteint le feu qu'on a sur nous. Voilà, ben lui il est mort, à mon avis là. Il s'est fait exploser tout seul lui. Voilà, et là je suis encore pris en chasse, donc cette fois-ci c'est par lui. Voilà, ça c'est réglé. Il y a beaucoup trop d'ennemis pour que ce soit réellement plaisant à jouer, et c'est vraiment dommage. Alors j'ai trouvé une petite astuce pour contrecarrer ça, c'est que je passe directement en forêt. Et en forêt c'est quand même bien mieux, on a moins d'ennemis, on a moins de choses comme ça. Le jeu est faisable en coop, jusqu'à 2 personnes vous pouvez faire le jeu complètement en coop. Le jeu à son entièreté. Donc là on arrive sur un avant-poste. Ces avant-postes, il faut essayer de les prendre le plus discrètement possible, parce que vous voyez qu'il y a des sortes de sirènes, et dès que les gardes activent ces sirènes, en fait, eh ben, ça prévient tout le monde. Donc on va essayer d'être assez discret. Le mieux, c'est même d'aller désactiver les sirènes. Alors je ne sais pas si on va pouvoir y arriver. On va essayer d'utiliser... Ah, oh, c'est dommage. On va essayer de faire ça discrètement. Alors RS, est-ce qu'on peut déplacer le corps? Oui. On va le prendre, on va aller le mettre par là, histoire de le planquer. On va essayer d'être discret. Alors je sais pas, la vidéo est à 16 minutes, je sais pas si on va avoir le temps de prendre le camp complètement, mais c'est, voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un peu. Il y a une multitude d'armes à débloquer. On va envoyer le... Non, je vais la buter elle comme ça. Ce sera plus... On va essayer d'être discret, on va essayer de faire la mission quand même. Il y a une multitude d'armes. Voilà. Donc là, je suis repéré, je suis... Voilà, lui il arrive. Voilà, donc là l'alarme est sonnée, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont venir. Et voilà, donc là je suis mort. On va peut-être pas la reprendre parce que voilà, je vous ai expliqué tout ce que j'avais à vous expliquer. À savoir que voilà, vous avez une multitude d'armes que vous pouvez personnaliser. Vous avez vu, moi sur mon sniper, j'ai rajouté un silencieux pour être vraiment au top en infiltration. On peut jouer infiltration et ça fait plaisir aussi. Donc voilà, donc les bons points, c'est tout ce que je vous ai cité. C'est beau, c'est fluide, le gameplay, le fait d'avoir des équipiers comme mon chien qui peut aller directement aussi tuer. Quoique, on va peut-être pouvoir la finir si... Je pense pas qu'il repop les ennemis. Voilà, non. Après c'est pas un test que je vous fais, c'est vraiment, j'ai pas terminé le jeu donc j'appellerai pas ça un test, mais c'est vraiment un premier avis de comment le jeu tourne sur la Xbox Series X, et franchement il est juste superbe, c'est un plaisir. Encore une fois. Ouais, voilà, deuxième fois. On va arrêter là, je suis pas assez concentré pour jouer et vous parler en même temps. Encore une fois, le jeu a énormément de qualité.
et c'est dommage vraiment que s'il y ait ces deux trois petits trucs qui gâchent un peu l'expérience. Mais sincèrement, moi je vais le continuer parce que franchement, j'y prends beaucoup de plaisir, donc plaisir coupable peut-être, mais j'y prends un certain plaisir à faire Far Cry pour une première expérience. Je trouve ça pas mal, et puis un peu ça m'entraîne aussi. La sortie d'Avatar, c'est demain. Avatar, vous allez le retrouver sur la chaîne aussi, vous inquiétez pas. Je vais vous en faire une petite présentation sur Xbox Series X, voilà. Donc dites-moi si vous, vous avez fait le jeu, si vous avez apprécié ce style de gameplay de jeu, quel défaut vous lui avez trouvé, et pourquoi vous y avez joué tout simplement. En tout cas, moi, je suis content de passer du temps sur ce Far Cry. J'y allais un peu à reculons, et puis en fait, c'est plutôt une bonne surprise. Ce ne sera pas le jeu du siècle, mais c'est plutôt une bonne surprise. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, petit pouce bleu, commentez, partagez la vidéo si ça vous fait plaisir, et abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours important pour les petits créateurs comme nous. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo.